Zombie Apocalypse. Bonjour à tous les gamers. On se retrouve aujourd'hui sur Until Dawn. Donc on est rendu à la suite de l'épisode. On est rendu à la quatrième ou cinquième partie, je crois. Donc on va voir où est-ce qu'on en est et ce que notre cher psy va nous dire, tout simplement. Quelle est la qualité la plus importante à vos yeux ? La loyauté ou la franchise ? La franchise. Donc, vous dites toujours la vérité, même si cela a des conséquences néfastes pour un ami. Alors, qu'en est-il de la franchise et de la charité ? Non, la franchise, hein, je suis d'accord avec moi. Non. La charité, c'est surfait, d'après vous. Mieux vaut rester fidèle à soi-même plutôt qu'aider les gens dans le besoin, c'est ça ? Ah, mais une fois encore, la session touche à sa fin. Nous en reparlerons bientôt. Précédemment dans Until Dawn. C'était juste une blague, Anna. C'est aujourd'hui le premier anniversaire de la mystérieuse disparition de ses filles, Anna et Bess Washington. Et je sais à quel point Anna et Bess seraient touchées si elles nous voyaient tous réunis ici pour leur rendre hommage. Ouais. Je crois que quelqu'un se montre un peu trop amical. Boum. L'effet papillon. Pardon ? T'as dit quelque chose ? Oh, bien sûr. T'étais trop occupé à faire ta connasse. Arrêtez ! Mike, pourquoi est-ce que tu irais pas voir la cabane dont on a parlé ? Ouais, d'accord. T'as entendu ? Bordel, qu'est-ce que tu portes ? Voici notre billet vers le monde des esprits. Oh, mais méfiez-vous de Josh. C'est un vrai bon. Si c'est ça que tu veux... Jess ? Jess ! Alors, salut ici. Pour communiquer avec le monde des esprits, vous devez vous libérer de tout préjugé, de toutes inhibitions et vous offrir entièrement à la volonté des autres sublimement chacun de vos désirs aux lubies de l'esprit maître, c'est-à-dire moi. Ça dit pas ça, non ? Et toute personne présente retirera ses vêtements à ma seule discrétion. Chris, allez, c'est sérieux, là. Je suis sérieux à mort. Ah, tais-toi. Bon, allez, essaye. Oui, je te remercie. Ok, alors, on va voir. Ashley, vu que tu es fraîchement converti, pourquoi ne pas être notre médium aujourd'hui ? Sérieuse ? Ok. Esprit, es-tu là ? Te présenteras-tu à nous si tu es là ? Attends une minute. C'est toi qui fais ça ? Non, j'ai rien fait du tout. Ça bouge encore. Ah ? Qu'est-ce que ça appelle ? Attends. Mais comment c'est possible ? C'est toi qui bouge ? Je te jure que c'est en train de bouger. Putain de merde. À l'aide ? Comment on est censé aider ? J'en sais rien, ça veut dire quoi ? Il faut qu'on sache qui c'est si on doit l'aider. Comment nous pouvons t'aider ? Comment pouvons-nous t'aider ? Ça bouge encore. Qu'est-ce que ça épelle ? Attends. Ça bouge vite. Attends. Merde. Oh, c'est pas vrai. Attention. Je pense que... nous devons vraiment trouver qui essaie de communiquer avec nous. Non, j'ai pas envie de savoir qui c'est en fait. De quoi essaies-tu de nous avertir ? Oh, ça y est. Ok. S. O. E. U. R. Sœur. Sœur ? La sœur de qui ? Oh, arrête, t'es sérieux ? La ferme. Demande-lui la sœur de qui ? Josh, ça doit être... Ouais, ok, bon. De quelle sœur il s'agit alors ? Ashley, demande-lui qui elle est. Anna. Ah, à qui parlons-nous ? Anna ? C'est toi ? Oh, bon sang ! C'est n'importe quoi.
Josh, tu... Que ça va? T'es sûr? Parce qu'on peut arrêter, hein? Non. Hé, hey, ça va. Je veux entendre ce que ça veut nous dire. Je sais pas par où commencer. Réfléchis. S'il s'agit vraiment d'Anna, on va peut-être savoir ce qui s'est passé cette nuit-là. Josh? Je peux gérer. Ok. Laisse-moi réfléchir. Bah, que t'es-tu arrivé, hein? Anna, tu nous manques. Et on veut savoir ce qui t'est arrivé. Tu peux nous dire ce qui s'est passé? T'es... R? A? H? Oh. J'aime pas ça. Trahi. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Ça continue. Oh merde. T, U, E, E. Tué. Oh non. Tué. On les a pas tués. C'était juste une farce. Ah, du calme, hein, ok? Il faut qu'on en sache plus. Je suis désolée. Tellement désolée. Regarde, qu'est-ce qu'elle veut dire? Demande-leur ce qui s'est passé. C'est l'unique façon de savoir. Vas-y, H. Comment es-tu morte? Ok. Ok. Comment es-tu morte? Anna, qu'est-ce qui s'est passé? B. I. B. Bibliothèque, il y a peut-être quelque chose dans la bibliothèque. B. R. E. U. Preuve. Il y a une... Dans la bibliothèque. Oh merde. Chris. Tu sais quoi? Non, c'est des conneries. C'est pas vrai. Josh, je sais pas ce qui se passe. Écoute, je sais pas si tu penses que me chercher va m'aider à gérer ma peine d'une façon ou d'une autre, mais c'est pas cool. Josh, non, c'est toi qui voulais utiliser le plateau de spiritisme. Hé, hey, tu calmes. Ah, c'est maintenant, on a besoin de ça maintenant. Putain, vous êtes trop lourd. On devrait peut-être le rattraper. Il va se reprendre, il faut... Laisse-lui juste un peu de temps. Non, je lui en veux pas. C'était dingue. La flèche filait à toute allure sur la table. Bien, si t'as fait semblant, tu t'y es drôlement bien. J'ai pas fait semblant, pas du tout. On devrait faire comme il dit. On devrait aller dans la bibliothèque. Chaud. Qu'est-ce que je viens de dire? Yes. Yes. Oh, merde. T'as pas l'air bien pressé quand même, hein. Je vais pas dire, mais bon. Jessica. Oh, allez. Jess. Jess, t'es là-dedans? Wow. C'est pas foutu, les jetons, ce truc. Qu'est-ce que c'est là, en plus? Jess? C'est pire, hein? Chéri? Lumière de ma vie? Pourquoi c'est tiré aussi, Jess? Franchement? C'est passé. C'est vraiment... Ah, oh, bordel. Non. C'était trop drôle. Mais non. Attends, allez, attends. Je promets de ne pas... Je veux rien voir de... Non, Mike. Non, non. Quoi? T'as filmé ça? Oh, regarde ta tronche. J'avais peur, Jess. Tu peux pas sauter comme ça sur moi. On est au beau milieu des bois. C'est super flippant. Oh, pardon, ouais. Je te fais peur. Si t'envoies ça à quelqu'un... Je... Tu quoi? Je vais te tuer. Je savais pas que ton hurlement de terreur était aussi féminin, Michael. On ne connaît vraiment les gens qu'une fois qu'on leur a bien foutu la frousse. C'est bon, t'as gagné. Allez hop, c'est bon. Oh, ok. T'as gagné. Tu sais, c'est pas un concours. Mais bon, j'ai gagné comme d'hab. T'as raison, chérie.
Non, vas-y, pleure, Roméo. Ça mène à rien. Il y a un totem. Totem du conseil. C'était quelqu'un qui criait ? Non. Non. Sûrement un écureuil ou. Je sais pas. Un écureuil. C'est flippant. Quoi ? T'as entendu ? Non. Oui ! Y'a quelqu'un ? C'est vraiment comme tu l'avais décrit, Michael. Quoi ? Le gîte. Je l'adore. Ouais. Douce revanche. Maintenant. La revanche est à moi. Oh ouais. Non, non, ce n'est pas juste. Il faut être fair play, très cher. Je t'ai juste fait peur. Je t'ai pas trompé. Hey, je ferai tout ce qui m'est possible de faire pour te réchauffer. Alors commence à cuisiner. Ne sous-estime pas mes talents culinaires. Eh oui, ma fille. Bon, sinon il y a quoi d'autre là-dedans? Rien. Bon, allez, on va continuer. Elle est tout mouillée maintenant. C'est belle l'eau. C'est quoi ça? Pas sûr de vouloir savoir. Merde. C'est horrible. Merde. Je crois qu'il va pas s'en tirer. Eh hey, mon vieux. Oh, c'est pas vrai. Le pauvre. Ça va aller. Ça va aller. Oh, ça va aller. Mike, il souffre tellement.
sera bientôt fini. D'accord, mon vieux ? Ce sera bientôt fini. Go ! Go ! Oh putain, c'est quoi ce truc ? J'en sais rien ! Il y a un pont là-bas ! Regarde, mec ! Amène-toi vite ! Ça annonce ! Ça doit être annonce ! Hé ! Regarde, regarde ! Reste sur le chemin, on y est presque. Mike, mais qu'est-ce que tu fous? J'en sais rien. Jess, Jess, lève-toi, vite, vite. Ah la vache, je peux pas passer loin. Oh. Bordel, j'ai l'impression d'avoir couru un marathon. Ouais, c'est un peu le cas. C'était un ours? Ouais, sans doute. Ces choses vont vraiment vite. Ouais, je l'ai pas bien vu. Mais tout va bien se passer maintenant, je te le promets. Comment tu peux en être sûr? Parce que je suis à peu près sûr que les ours ne savent pas ouvrir les portes. J'en ai vu qui ouvraient des voitures. Quoi? Où ça? Sur Internet. Vraiment? Ok, bon, on n'est pas sur Internet, Jess, d'accord? C'est la vraie vie. Et je te promets qu'aucun ours ou quoi que ce soit d'autre ne viendra ouvrir cette porte. Ouais, t'as sûrement raison. Ok. Maintenant, je me sens presque détendue. Presque. Typique. Oh. C'est pas le chalet douillet qu'on m'avait promis, Mike. Ouais, c'est un peu en plein courant d'air, hein? Eh bien, il y a une cheminée. Ouais, on n'a pas besoin d'un feu pour se réchauffer. Michael, je suis une lady, et une lady a besoin d'un peu de romance. Ok. Une lady aimerait se blottir contre son homme devant un bon feu et profiter un peu de la douce lueur des flammes. Ça deviendra bien assez chaud lorsqu'on sera l'un contre l'autre. Mike. Ouais. Le feu et la lueur des flammes. Ouais. Mal dit. Ok, bon, on va allumer le feu. Ah, voilà pour le problème de la lueur. Bien, le bois est prêt. Manque plus qu'une allumette. Une allumette. Il faut que je trouve une boîte d'allumettes. Quoi. Oh, merde. Bordel. Mike. Quoi? Oh, merde. Quoi? Putain, il est où? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Perdu. Je l'ai perdu, ok? Jess, attends. De quoi tu parles? Mon téléphone, Sherlock. Tu le trouves pas? Merde, non. Oh, c'est pas vrai, il a dû tomber dehors. Non. Je peux pas perdre mon téléphone. Mes parents me tueraient. T'en rachèteras un? J'en suis déjà à mon quatrième cette année. Ok, ok. Bon, je vais t'aider à le retrouver. Il doit être dehors. Ouais. Je pense qu'on devrait pas sortir maintenant, à cause de l'ours. Enfin, de cette chose. D'accord. J'aurais aimé que tu n'essaies pas de me faire peur. Parce que je suis complètement trempée. C'était pas malin de ta part. Je suis désolé, Jess. Il est probablement tombé à l'eau et je suis sûre qu'il fonctionne plus maintenant. Donc peu importe. Hé, hey, je vais me racheter, c'est promis. C'est elle qui a cherché en même temps. Salut, salut. Qui c'est qui va s'embraser? T'as préparé cette phrase dès qu'on est entré ici, pas vrai? L'homme 1 le faisait rouler. Très bien joué, bravo. Très bien, Malédie.
Et ensuite Je pense que... je pense qu'on va avoir besoin d'un peu d'alcool. Si j'avais su ça avant... Je sais pas, c'est juste que je le sens pas encore. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non. Enfin, je croyais savoir qui tu étais vraiment, mais... Apparemment, t'es quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ta faute. Jess, tu me plais beaucoup. Peu importe ce que tu crois. Donne-moi une chance et je te donnerai ce qu'il te faut. Eh ben, j'apprécie ton assurance. Mike, les volets. Quoi, les volets? Tu peux les fermer, s'il te plaît? Tu sais, il n'y a personne dehors. J'ai l'impression qu'on nous observe. Ça me plaît pas. Jess, sérieux, c'est bon. Écoute, ça me plaît vraiment pas. Ok, je ferme les volets. On est bien gentil, hein, moi je dis. Voilà, les volets sont fermés. Alors, où est-ce qu'on en était? Je suis désolée. Désolée, je pense que j'ai un peu peur et c'est difficile pour moi de tenir bon et... Quoi? Tenir bon? Écoute, j'ai l'air super confiante et j'agis comme une bombe sexuelle et tout, mais au fond... Je vais être honnête avec toi. Je manque vraiment de confiance en moi. Rassurant. Yes. Tu plaisantes, j'espère. Quoi? T'as aucune raison de manquer de confiance en toi. Oh. Arrête, si tu savais. Je sais. T'es comme tout le monde. On manque tous de confiance en soi. Mais tu sais te mettre en valeur. C'est peut-être une façade, mais pas seulement. Ouais. Si tu le dis. Ouais. Et ça, c'est hyper sexy. Vraiment? Mais oui, bien sûr. Viens par ici. Peut-être que je vais aussi savoir te mettre en valeur. Oh, tu peux y aller. Je suis tout à toi. J'ai rien à savoir ce que c'est quand même. Mike, c'est quoi ça? J'en sais rien. Vas-y, tu ferais mieux d'aller voir, vite. Allez Mike, va te faire tuer. Y'a aucun problème, tout est normal. Y a pas un truc, une batte de baseball ou autre, des fois que. Téléphone. Quoi? Mais comment c'est possible? Je sais pas, il est passé par la fenêtre. Oh, bordel de merde, putain. Quoi? Ces espèces de salopards nous ont suivis jusque là pour nous foutre la trouille et juste quand on commençait à... Oh.
Je sais que vous êtes là! Bordel! Qu'est-ce que vous êtes en train de foutre? Vous voulez vraiment nous emmerder? Vous savez quoi? C'est pas possible! Vous gâcherez pas notre plaisir parce que Michael et moi, on va baiser! Et ouais! On va s'envoyer en l'air et ça va être chaud! Alors profitez-en! Parce que je sais que nous, on va bien en profiter! Oh, mais c'est pas vrai! Tu crois vraiment que les filles ont communiqué avec nous? Aucune idée. Je sais pas si j'aurais préféré qu'elles le fassent ou pas. Ouais. Va falloir qu'on le découvre. Donc là, on part dans la boîte de la bibliothèque, je veux dire. Josh avait l'air de vraiment flipper pendant la séance. Ouais, il semblait essayer de tenir le coup, mais... Tu penses qu'on aurait dû éviter de parler de ces salles? Ah, c'est pour ça qu'on est revenu ici. Ouais, mais pas comme ça. Pas en faisant du spiritisme. On est peut-être allé trop loin. Est-ce que ça va? Je crois, oui. Regarde. Quoi? Il y avait un truc derrière le livre. C'est quoi ça? C'est un bouton. Pourquoi il y aurait un bouton? C'est une très bonne question. J'appuie dessus? C'est à ça que servent les boutons, je pense. Oh, une porte s'ouvre. Ça devient bizarre, là. Et dans un film, là, ou quoi? Si c'est le cas, j'espère que c'est une comédie romantique. Ok, donc il y a des passages secrets dans la maison des Washington. Il l'ignorait peut-être. L'endroit est super vieux. Bon, est-ce qu'on jette un œil? Ouais, après toi. Non, 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 non. Toi, t'y vas. Super, merci. Oh, c'est les sœurs. Wow. Quoi? Oh, qu'est-ce que t'as trouvé? La vache. Bon, Ash, je veux pas te faire flipper, mais... Regarde ça. Quoi? Chris, c'est quoi ça? Je crois que c'est précisément ce que le plateau voulait qu'on trouve. C'est l'indice? Ouais, c'est une lettre. Laisse-moi voir ça. C'est une menace. Chris, c'est du sérieux. Il faut qu'on trouve Josh et tout de suite. Ok, on va la retrouver Josh. Oh. C'était quoi? Tu crois que quelqu'un en avait vraiment après Anna et Bess? Si c'est le cas, ce serait un truc de dingue. On est enfermé à l'intérieur maintenant. Un peu bizarre. Donc, je viens juste de repenser à un truc que j'ai vu avec Sam. Quoi? Il y avait un avis de recherche, comme dans les westerns, tu vois. Et alors? Et Sam a vraiment pensé que quelqu'un était en train de la suivre. Et alors, tu veux dire qu'il y aura un criminel sur la montagne avec nous? Bah, il y avait ce type dont quoi, je t'ai parlé. Quoi, attends, quel type? Le type qui menaçait les Washington. Il a dit qu'il voulait prendre sa revanche en incendiant leur maison. Et j'ai trouvé cette foutue lettre de taré. Chris, si c'est ta façon d'essayer de me rassurer, t'es viré. T'as entendu ça? C'était Josh! Ça vient de la cuisine. Josh! Josh! On arrive, bien bon! Ashley! Ashley! Ça va? Moi! Ashley! Ça va? Je vais...
Ash? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va juste regarder les statues et objets qu'on a trouvés. Donc la photo, un portrait des jumeaux Washington, il a dû être pris quelques mois avant la disparition. On a retrouvé le vieux masque. La vie de Rochelle, l'aide de menace, une attaque et tentation de Fanny Washington, la menaçante de la vengeance de l'encontre d'Anna et Beth. Je vais les prendre et les signer comme des pourceaux et attacher leur peau blanche et douce. 16 années, 16 putains d'années, 16 ans à attendre les jolies petites Anna et Beth. Ok. Trouver ça, chemin du gîte par Mike. Ok. De toute façon, je pense qu'on y retournera. À mon avis, on retournera à la mine, je pense, tôt ou tard. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Pourquoi je... ça ne fonctionne pas? Ah, c'est comme ça, d'accord. Mais sous pression, il ne parvient pas à l'impressionner. Jessica a résisté aux avances de Mike. Ok. Et ça m'a trouvé une batte de baseball là sur la cave. Ok, ok. On a fait le tour. Contenu bonus. On s'en verra ça plus tard. Voilà, voilà. Bah écoutez, on s'arrête là pour aujourd'hui et on va continuer très prochainement l'histoire d'Until Dawn, en espérant que celui-ci vous plaît. Et puis voilà. Bonne journée à tous les gamers.